Carne alentejana, c'est une recette du Portugal. Et donc c'est une recette terre et mer qui mélange de la viande et du poisson. Et donc ici c'est de la viande et coquillage. Donc c'est à base principalement de viande de porc. Traditionnellement c'est avec des palourdes, mais on peut aussi la faire avec des palourdes et d'autres coquillages comme le moule. En général c'est servi avec des pommes de terre. Il faut des petits légumes pour faire revenir la viande. Donc ça peut être selon les goûts. Moi j'ai mis du poireau, des jeunes oignons, des carottes et de l'ail. Pour la recette, il faut de la viande de porc. Ça peut être du sauté, du lard, du rôti, différentes parties du porc, même des parties moins nobles. Commencer par faire revenir les légumes, l'huile d'olive et le laurier. Le laurier qui est très important dans la cuisine portugaise. Quand il commence à dorer et à fondre, on rajoute soit le lard ou bien la viande directement. Qu'on fait rôtir un petit peu. Une fois que la viande commence à être blanchie partout et qu'il n'y a plus de partie qui n'a pas été encore rôtie, on arrose avec un peu de vin blanc et de tomate. Là, il faut ajouter les épices, donc le laurier, le poivre, le paprika aussi. C'est notre cumin au goût, mais pas trop d'épices, donc pour garder le goût délicat des produits. Donc on laisse mijoter une bonne heure, ça dépend de la qualité de la viande. Ouais, et à côté, on peut servir ça avec des pommes de terre au four ou des pommes de terre frites ou frites à l'eau, tout simplement. Ouais, il faut les coquillages, ça c'est fondamental. Et donc le moule, il faut les nettoyer à l'avance, c'est pas lourd de les faire tremper dans de l'eau salée pour qu'elles perdent leur sable. Quand la viande commence à être bien tendre, c'est presque prêt. Et donc là, il suffit de rajouter les coquillages qu'on a d'abord préparés. Donc on a fait un jus qui a un mélange de toutes les saveurs. Il ne faut pas rajouter de sel dans le plat parce que c'est les coquillages qui vont saler le plat. On laisse encore cuire à feu doux 5 bonnes minutes, le temps que les coquillages s'ouvrent. Et voilà, c'est prêt. Thank you.